Salut tout le monde, je vous retrouve sur Stronghold Definitive Edition pour la mission 5, les partisans de la campagne joyau de la BD Cochon. On va essayer de faire réussir cette mission économique. Les montagnards rebelles nous avaient repérés bien avant nous. Ils avaient apparemment été témoins de nos exploits bien avant notre arrivée. J'ignorais à quel point ils étaient impressionnés. Mais ils semblaient reconnaissants des renforts que nous avions apportés. Leur base était bien dissimulée dans les montagnes, et ce pour une bonne raison. Rares étaient ceux qui auraient accepté de vivre en de tels lieux. C'était une zone aux conditions extrêmes, avec un sol pauvre et un climat rude, et ils espéraient que nous aidions leur famille à survivre, tandis que nous commençâmes à les armer petit à petit. Ok, donc on doit accumuler des biens. Donc 900 de fromage, 200 de viande, 50 arcs et 50 épées. On a un timer, donc là déjà, je vais regarder un peu les conseils. Gérer les troupeaux de cerfs, si vous les tuez tous, il leur faudra du temps pour s'installer de nouveau dans la zone. La religion peut faire pencher la balance, mais attention, une fois établi, les villageois ont de grandes exigences. Il va vous falloir beaucoup d'or, ce qui trouvez ce qu'il est plus profitable de vendre. Et ne craignez pas de rationner vos villageois pour remplir vos réserves de nourriture. Placez votre grenier. Alors déjà. Je regarde un petit peu la map. Donc sachant qu'on a des loups là. Instruction. À vos ordres. Mouvement. Placez votre grenier, sire. Oui. Prêt à tirer. Alors je vais tester un truc vite fait. Nous arrivons. Je vais essayer d'éliminer les loups avant. Ah non, bah ça marche pas. On va essayer comme ça. Placez votre grenier, sire. Donc là, ce que je vais tenter de faire, alors il va nous falloir 1100 de bouffe. 1100 de bouffe, ça nous fait, donc sachant qu'un grenier contient 250, il nous faudra 5 greniers. Alors avant de faire quoi que ce soit, hop, la viande, on va tout de suite la couper. Le 6, 7, 8. Je vais tout de suite faire une seconde maison. Et je vais partir sur 8 cabanes de bûcherons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, deuxième maison. Je vais également faire un marché tout de suite. Je vais commencer à préparer une carrière de pierre. Et là, avec mes archers et mes lanciers, j'ai commencé à aller un peu clean les loups. Ah putain. Instruction. Enculé. Flèche prête. Départ. On va s'occuper de lui en priorité. Impossible d'y aller, sire. Que monseigneur. Mouvement. Alors, ce loup-là, il vient du où? Encochez les flèches. Nous il vient du nord, c'est ça? Ouais. Départ. On va essayer de voir pour essayer d'éliminer cette meute en priorité. Les loups rôdent. À vos ordres. Ok, ils viennent d'où? Oh, ils sont nombreux, les cons. Pas d'argent dans les caisses du trésor. Si oui. Les loups, messire, en grand nombre. Vous pouvez compter sur nous. Nous partons. Allons-y. Ouais, oui, on les a eu, c'est bien joué. Mon arc est à votre service. Recherche de cible.
Nous arrivons. Monseigneur. Ok. Départ. Bon. Ce que je vais faire là, on va faire un truc avec la pierre. Au-dessus de 1, on va revendre un petit peu. Maintenant, on va faire une armurerie. Même 2. Et je vais commencer à préparer un atelier d'arc pour commencer à préparer les arcs. Nous n'avons presque plus de nourriture, sire. Ouais, bah si les vaches crevaient pas, tu... Les caisses se vident. Un message de votre scribe. Bon, par là, il n'y a plus de loups. Si, il y a encore des loups, là. On va essayer d'aller liquider ceux-là. Mouvement. Pas d'argent dans les caisses du trésor. Alors, je vais ouvrir tout de suite une nouvelle masure. Je vais rajouter. Déjà, 2 fermes laitières en renfort. À vos ordres. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les loups attaquent, monseigneur. Bien joué. Oui. Plus de loups dans le coin. Là, il n'y en a plus non plus. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. On a un arc ici qui arrive. Donc la pierre là, on va commencer à se refaire de l'argent. Il faut qu'on continue. Il nous faudra une deuxième. Alors, combien on a de villageois là? 2. On va commencer à préparer du fer. 3 mines de fer pour démarrer sera pas mal. L'édifice n'a pas de main d'œuvre, sire. Ah. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. Et on va installer aussi quelques puits dès que possible. Donc je vais en mettre un ici déjà pour éviter tout problème. Un autre là. Donc là, je pense qu'on tient quelque chose en vrai. Donc là, le fer, il est en route. Il nous reste 4 pégus. Bah, tu sais quoi? On va doubler la longe de bœuf. Or nécessaire. Là, on n'a plus assez d'or. Donc on a déjà quelques arcs en route là. Ah bon, ils sont nombreux les cons. Mon arc est à votre service. Seigneur. Dites-nous ce que nous devons faire. Nous partons, allons-y. Bien joué. On a 4 arcs. On va continuer de rajouter. Et un puits. Bah on a déjà un puits, tu me diras. On va commencer à ouvrir. Un petit peu plus de bois. Donc là, le fer, ça commence à tourner. Nos vaches sont terrassées par une étrange maladie, monseigneur. Je pense que je vais rajouter une ferme en plus en renfort. Que là, ça passerait. Non. Là, non. Voilà, on va en mettre une là. Rajouter une autre masure là-haut. Je vais revendre encore un peu de bois. Et on va commencer à préparer tout de suite, dès que possible. Bah déjà la pierre, ça s'en va, c'est bien. Bois nécessaire. Voilà. On va commencer à faire une première forge. Monseigneur, nous arrivons.
Au moment, ça, le départ est plutôt correct. Bois nécessaire. Ah, une deuxième forge ici. Une deuxième carrière, une troisième carrière là. Donc là, il nous reste encore trois personnes. Et bah, tu sais quoi, on va rajouter une quatrième mine de fer. Et je vais rajouter, je pense, dès que j'aurai de la pierre là, je vais rajouter un puits. Ici, ça sera très bien, on sait jamais. Je vais rajouter une nouvelle masure. Et une nouvelle longe à bœuf. Les édifices sont en feu, sire. Ah, évidemment, ça tombe toujours au bon moment. Hein. Ah, il y a une maison aussi qui a cramé, merde. L'édifice travaille, l'édifice travaille, pas de main-d'œuvre, Seigneur. Il me faut un autre puits, hein. Voilà, on a réussi à sauver ces bâtiments. L'édifice est en état de fonctionnement, monseigneur. Ah oui, on a perdu pas mal de fermes aussi, là, effectivement. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Mais je vais rajouter tout de suite un autre puits. Et une nouvelle maison là. Bois nécessaire. Une nouvelle forge et un nouveau fléchier. Comme ça, on en aura trois de chaque. Il me reste encore deux pégus. Là, je vais rajouter une longe à bœuf. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Bah, un puits supplémentaire. Une nouvelle ferme, ça serait pas déconnant ici. Voilà. Instruction à vos ordres. L'or afflue dans les caisses du trésor, sire. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Par contre, il faut que je commence à préparer des huttes de chasse là. J'ai en préparé 4. Voilà, en vrai, avec le fer qu'on a. On est plutôt bien. Pas d'argent dans les caisses du trésor, sire. Comme ça, je peux réduire de moitié les rations. Mais il nous faut encore plus de pierres. Ça va être une obligation. Et ben, je vais faire une quatrième carrière. Comme ça, on va réduire de moitié. Il va me faire encore une masure. Là. Non, mieux, attends.
tenter une petite entourloupe. Comme ça, là, ils passeront pas. Et là, je peux spammer les fermes. Oui, départ. Voilà, comme ça, là, on va continuer de monter en puissance au niveau des fermes et que... Le peuple vous adore, sire. Votre popularité est en hausse. Archer, prêt à tirer. Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Un petit peu plus de... Voilà. Bon, déjà au niveau des armes, on est pas mal. On est quasiment à la moitié partout. Bois nécessaire. Mon arc est à votre service. Le peuple vous adore, sire. Je vais rajouter deux longes à bœuf là, comme ça on aura deux de carrière là. Par contre là, la viande, faut se grouiller quoi. Nous avons besoin de plus de bois. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. Votre popularité est en baisse. Là, on va avoir pas mal de bois qui va être récupéré. On va faire tout de suite un troisième grenier, un quatrième et un cinquième. J'ai aussi rajouté un puits dans le doute. Ou plus près, mieux c'est. Bon, déjà les armes, on est pas mal. Donc là, les armes, j'ai plus trop à m'en soucier. Par contre, je vais rajouter deux fermes et deux postes de chasse dans ce creux. Donc là, les deux masures, elles vont bloquer l'arrivée des loups comme ça. De votre scribe. Oh les enculés. J'ai dû rajouter pas assez d'ouvriers quelques fermes là-haut. Gérer cet édifice. Bon, 35 épées, 35 arcs, c'est pas mal. Je vais peut-être rajouter une masure ici. Là. Le fromage, ça y est, ça y va. Je vais rajouter une nouvelle ferme là. Parfait. Deux autres camps de pour la viande. Encore ajouter quelques fermes si c'est possible. Voilà.
La peste a envahi votre château, monseigneur. Je vais revendre un peu de fer. Pas d'argent dans les caisses du trésor. Le peuple vous apprécie. Et si je redescends comme ça pour éviter un petit souci, ça fait que moins 1. Et je rajoute ça. Vous nous gâtez, nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Le temps que ça s'en aille. Bon bah. Ça va, ça tient. Bon, on a presque le quota qui nous manque. Les gens viennent au château. Bon, ça va. Les réserves de notre grenier se vident, sire. En vrai, une fois qu'on aura terminé les armes, je vais tout de suite les retirer. Et ensuite, je passerai sur plus de nourriture. Ok, on a 49 épées, il nous en manque encore une et c'est gagné. 3 arcs. Donc là, on va continuer de maxer les fermes. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Ok, l'épée, c'est fait. Voilà. Hop, ça, là, on va reconvertir cela en fermier. Popularité est en hausse. Pour achever tout ça, quoi. Pas assez d'ouvriers disponibles pour bon, les armes, on n'en parle plus, c'est fait. On les reconvertit en chasseurs aussi. Et le fer, bah, tu sais quoi, on va s'en servir pour la revente aussi. Par contre, on va baisser les rations. 2000 rations là. Ok. C'est pas mal. Je pense qu'en vrai, je vais miser sur 2 mines. Comme ça, je vais continuer de faire d'autres fermes. Là où il y a de l'espace. Voilà. Pour le bois. Voilà. Bon, on est pas mal, logiquement, ça devrait le faire. Monseigneur, la viande, on va être pas mal là. Une fois qu'on aura des trucs, le fromage ça devient bon. Donc en reconvertissant un peu certains secteurs, on a réussi à faire ce qu'il fallait. Je vais quand même maintenir au moins 6 Voilà. Le peuple vous adore. Les caisses se vident. Le peuple vous adore, sire. Bon, le fromage, on est bon. Voilà.
Le fromage, la viande, on est bon, on est bien, je veux dire. Encore une ferme ici. Là, je pourrais pas. Peut-être une dans le coin. Il faudrait qu'il se déplace et c'est gagné. Ok, on en fait une de plus, le fournisseur. Bon, là, la mission va être faite. Allez, il nous manque plus grand chose en fromage, les gars. C'est bon. Pfiouf. On a réussi cette mission 5. Alors, niveau du jeu, 15 mois plus tôt. Ok, ouais, non, pas mal, pas mal. Oui, plutôt satisfait. On a perdu 20% de troupes, malheureusement. Mais bon, on a réussi cette mission et c'était le plus important. J'espère que cette mission 5 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.